Ok, ça va être là-bas. Ok. Hey, coucou. Les nuits sont trop tranquilles sans toi. Impossible de fermer l'œil. Sans tes ronflements pour me bercer. Oh, moi c'est drôle, on me dit que j'empêche de dormir avec mes ronflements. Oh, les voyons. Et que c'est la créature qui nous a dévoré, il y en a plein qui vient se pointer. Qu'est-ce que c'est? Je savais qu'il était désespéré. Mais... L'homme vert! Il est tout tout partout! Par la lumière... C'est horrible! Vous voyez des indices? Ouais, y'a un connard qui vient me chercher des noises! Voilà, bon. Les blessures qui entraînement semblent être une flèche dans le cou, l'œuvre d'un chasseur. Excuse-moi. Je fais tiquer un peu, fait que je suis pas dans le mood trop drôle pour lui, ces speeches là. Cargaison, marchand, t'es fait. Un des marchands qui accompagne Péritane, tout ce qui avait de valeur a été dérobé. Je ne voulais pas le croire. Mais j'ai déjà vu ces cicatrices par le passé. Oh sur non. Des canailles que côtoyait Péritane. Il faut croire qu'il a fini par rejoindre leur bande. Je dois le trouver. Je dois livrer mon frère à la justice. Wow. Ah, il n'y avait rien là-dedans. Allez, brigand. Merci de mourir, brigand. C'est allé trop loin cette fois. Il s'est détourné de la lumière. Oh, ben ça, c'est une autre histoire. Hein. Il y a du cache partout. Ah, ça va être mal, un peu. Pyromane, ouais, j'ai constaté qu'il était pyromane. On va aller par là. Les chauves-souris partout. Ah. Ouais. Ça va-t-il caché dans les mini-nondiers? Ça m'étonnerait. Bon, il est pas caché là-dedans, hein. Un explosif. Voilà. Level là. Je n'ai plus de fureur. Ah, j'ai comme ça, toi. Bon, ça s'est joué. Ah bah hein. D'abord. Je ne peux plus fermer les yeux sur les agissements de mon frère. Oh, c'est ce truc qu'elle est. Lumière, donne-moi la force d'administrer ta justice à mes propres frères. On va. Ah,
Salut. Ça, je t'appelle un coup. Fureur. Ah. Il me faut une clé pour ouvrir cette porte là, hein? Pourquoi je suis pas surpris, espèce d'enfoiré? Clé, voilà. Tac tac. Ah, allô, je t'avais pas vu. Oh, les pyromanes. Tiens, c'est calme aussi, hein. Les pyromanes sont en feu. Pas mal, le pyromane. Allez chier, vous autres. Ah, c'est là-bas. Peritan? Peritan? Bon sang, mais où es-tu? Espèce d'enfoiré. Ça va être long de buter, mais je vais t'avoir, espèce d'enfoiré. Mais les pièges partout, tout en ligne, pas la vue. Voilà. Ah, tu vois, sur le cul, ton frère, il est pas méchant, il est juste mégané. Votre frère va braver de nombreux dangers pour vous retrouver. Lactane, qu'as-tu fait? Comment as-tu pu tomber aussi bas? Margrave demande justice, mon frère. Je demande justice. Ils m'ont dit que ce serait simple. On devait prendre leur or, puis les laisser repartir. Personne n'aurait dû être blessé. Je n'ai tué personne. J'ai fui. Ils m'ont puni pour ça. Qui doit me croire? Tu ne convaincras jamais les autres. On ne peut pas retourner à Margrave. Peux-tu marcher? Lactane. Ces tunnels servaient à la contrebande, non? Suivons-les vers le sud. Allons là où personne ne nous connaît pour tout recommencer. Merci pour tout. C'est un idiot, mais c'est mon frère. Je ne peux pas... Je peux compter sur vous pour ne pas divulguer l'endroit où nous allons. Je comprends. Oh, tu allais se doubler. Oh yeah. Marchez pas vite vite, vous deux, hein. Bye bye. Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour améliorer les potions. Voilà, j'ai des potions meilleures à cette heure. Qu'est-ce qu'on va prendre avec toi, joli? Dites-moi un peu sur la fabrication des gemmes. Oh,
Je vois que vous êtes un connaisseur. Vous ne trouverez pas meilleur lapidaire dans tout sanctuaire. Apportez-moi vos gemmes non taillées, et je ferai des miracles, vous verrez. Ok. Venez voir mes pierres précieuses, elles ont l'éclat de la lumière. Hey. Toi, t'as amélioré nos petites gemmes de merde. Une petite quête secondaire qui est apparue là. Mais... j'ai pas fait celui-là encore. On va retourner là-bas. Ben. Okay. Les 10 pips qui veulent pas participer. On va l'allumer pareil. Oh! J'ai du pips ici qui sont apparus. Voilà! Je sais pas s'il y en a d'autres. Merde! Oh shit! Un peu, c'est... va te faire mal. Et voilà. C'est fini ça? Ou je le retourne? Ok, mais je vais aller voir l'autre demain. Vigile de lumière. Tu es les deux veilleurs. On va veiller à ce que ça arrive. M'assembler aux yeux. Ah voilà. Je vais plus lire encore. Voilà. Salut. J'ai été séparée. Mes amis se sont fait massacrer. Seul, je ne tiendrai pas longtemps. Désolé. Papa, c'est vrai ce qu'on dit? Un ange marche parmi les hommes? Les chevaliers sont en marche vers Korvalar. Si j'avais 2 ans de plus, j'aurais passé les épreuves et je marcherais avec eux. Au lieu de ça, je reste ici. Une équipe réduite va garder le fort jusqu'au retour des chevaliers. Tu serais fier de moi. Fini le polissage de boucliers. Ils m'ont donné une épée. Même si je doute de voir un jour le champ de bataille. Je t'écris bientôt, Edmund. Ouais. Bon, il y en a un ici. Notre troupe a été exhortée à partir en mission. Je sais que, comme pour les autres qui ont été appelés à servir la lumière avant nous, nous ne reviendrons pas.
Nous avons déjà tout donné à l'Église. Doit-on aussi lui donner nos vies? On dirait bien que oui. Allez, peut-être pas, on dirait que j'ai l'air de m'en foutre des mobs. Mes jambes! Nos nouvelles recrues sont plus belles de ce Zato. Je me suis pris d'affection pour l'une d'entre elles. Chevalière Soliana Costé. Sa dévotion peut dissiper le moindre doute. Il est aisé de lui parler de celles et ceux que j'ai délaissés pour rejoindre les rangs de la lumière. Elle a dû quitter sa famille aussi. Son fils. Ah, si t'es en train de mettre une troisième. Ok, fine. Ok, fine, j'ai compris. Ah. Oh, poison. Poison. Allez! On va aller chercher le troisième. Dites-moi, il y a beaucoup de pips ici. Non, c'est pas ça. Il cherche juste à casser une maquette. Ouh. Hey, ça c'est... Ouh. Il court full vite. Non, c'est pas là. Voilà. J'ai essayé de Soliana de fuir avec moi. Je lui ai dit que son fils préférerait grandir avec une mère et que nous pourrions recommencer notre vie loin de ce désert glacé. Et alors, je suis tombé sur le bras. Soliana dit de fuir, revient à abandonner la lumière et à renoncer à un monde meilleur pour son fils. Peut-être qu'il a raison. J'ai vraiment sorti, c'est juste une grosse louve vilaine. Ok, j'ai... La dune, là, il manque une dune. On va t'avoir, là. J'ai réussi pour me faire un cratère. Et où t'as... Oh. Hey, ouais, je te règle ça de même. Voilà. Bon, faut retourner là-bas pour les deux quêtes. Oui. Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, j'ai trouvé ces jours. Je vois. Alors comme ça, ma mère était chevalière de la pénitence? Mmh. Aurait-elle choisi la même voie si elle avait su ce que le monde deviendrait? Merci de m'avoir apporté ces documents. De rien. Et toi? J'ai allumé le vieux brassé. Oh, vous l'avez fait.
Ouais. Je peux le sentir d'ici. Ouais, ça doit cuire. J'aurais aimé voir les flammes danser. Que la lumière vous illumine, voyageur. Voilà. Un castor. Plein de stocks à ramasser. Si vous cassez quelque chose, la forge est allumée. Ouais, ouais. Il y a une petite quête secondaire ici. Mon garçon, je pense qu'il est possédé. Ne vous inquiétez pas, Petr. La cathédrale ne vous abandonnera pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous semblez compétent. Un coup de main ne serait pas de refus pour exorciser le mal qui s'est emparé du fils de cet homme. Oh yeah. Rejoignez-moi dans la cave là-bas. Et préparez-vous. Vous êtes sur le point d'assister à un miracle. Ouais. On verra bien. Oh, il fait plus froid ici que dehors. Ouais. Des signes manifestes d'une présence démoniaque. Bon. Qu'est-ce que je fais? Prenez mon calice et placez-le devant le garçon. Je dois retrouver les passages pertinents dans mon missel. Wow. Objet sacré, un calice. On va sacrer ça là. Voilà. C'est ça le petit gamin possédé? Certains membres du clergé peuvent faire preuve de zèle dans leur interprétation des écritures. Ça ne sera pas le cas ici. La lumière soit louée. On commence l'exorcisme? Ô Père Inarius, purifiez de votre lumière le sang vicié que je verse aujourd'hui. Inondez de votre lumière les ténèbres. C'est pitoyable. Cet enfant est à moi. Non, il est au Père Noël. Mon fils! Que la lumière bannisse les ténèbres qui obscurcissent l'âme de cet enfant. Père, faites que ce démon soit expulsé. Vos irémiades n'ont aucun pouvoir ici. Non, je ne le lâcherai pas. Son âme est à moi. Père, accordez votre grâce à cet enfant. Je t'ordonne de quitter ce corps. Non. Non. Je vais briser. Tuez-le rapidement. Voilà. C'est terminé. Vata, mon garçon. Est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose, je t'en prie. Papa? Où suis-je? Mon garçon. Oh, Vata, tu vas bien. Merci, ma sœur. Je vous en prie. On se voit au prochain service, d'accord, Petr? Et au premier rang. Bien sûr, ma sœur, bien sûr. Laissons-les un instant. Allons discuter dehors. Parfait. On va discuter en tête à tête. Salut, c'était intéressant. Vous avez fait du bon travail. Vous êtes plus apte dans ce domaine que vous ne le pensez. De nombreuses personnes à Kyovashad ont besoin de mon assistance. Si vous avez le temps, je serai ravie de profiter de votre aide. Tiki-tou.